Thank you.
Nous allons commencer ensemble à tricoter les jacquards. Donc, je vois qu'il n'y a personne encore qui me regarde, c'est correct. Je vais parler un peu toute seule ici en attendant que tout le monde arrive. Mais bon, on a passé 3 semaines en compagnie de mailles glissées, n'est-ce pas? Et on a vu que c'était pas difficile. Ouais. Et je pense que les plus qu'on tricote, c'est ça qu'on découvre. À chaque jour, à chaque nouveau carré, à chaque nouveau défi, ce qu'on voit, c'est tout simplement qu'il faut faire attention. Qu'il y a une méthodologie derrière, qu'on tricote en sachant ce qu'on va faire, oui, et que ça prend du temps, prenez le temps de lire, de s'assurer, de regarder, d'écouter, d'analyser, d'étudier les patrons qu'on va faire, il devient facile. Ouais. Donc c'est ça le secret du tricot, c'est qu'il n'existe aucun secret sinon attention. Ouais. Il est plus qu'on tricote, le plus qu'on devient à l'aise. Donc aujourd'hui, ça m'étonne que j'ai personne dans le chat, parce que je suis bien dans le groupe. Attends une minute là, je vais savoir si je suis vraiment en ligne. Petit instant, s'il te plaît. Ou si j'ai fait une bêtise. Non, il dit ici que je suis live. Je vois qu'il y a de messages pour moi. Allô, Daniel? Mais pour un instant, je ne reçois pas les messages qui viennent sur Facebook. Je vois qu'il y a de messages pour moi. Oui. Daniel, je ne sais pas pourquoi tes messages, je ne vois pas ici sur mon chat. Il y a les chats de la plateforme et je ne je vois pas. Weird. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont... Est-ce que vous voulez venir sur YouTube? Est-ce que vous voulez venir sur YouTube? Parce que pour les amis qui sont sur Facebook, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà sur YouTube? Attends une minute. Je regarde sur YouTube un petit moment. Un petit instant. YouTube. YouTube, la maison tricotée, la maison tricotée. Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est pas, c'est ici. Il y a 8 personnes qui regardent, mais je vois aucune message. C'est tellement weird. Ok, je vais mettre les liens sur Facebook. J'ai mis le lien sur Facebook. Je comprends pas. Font des plateformes, chat overlay, chat settings. Weird. Petit moment. Je vais regarder ici. Ah oui, je vois que vous parlez avec moi sur YouTube et mon chat ne fonctionne pas. Ok, c'est pas grave. Je vais laisser alors mon téléphone ici. Ok. D'accord. Donc maintenant, je regarde vos messages. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas les messages sur mon grand écran. Je vois seulement sur le petit écran. Donc, j'essaye de vous répondre au fur et à mesure. Je vois qu'il y a plusieurs personnes. Diane, Anne Bouchard, Manon, Kathleen, Manon, Anna Borg, Besson et Isa. Isa de Tricot. Oui, bonjour. Donc, on y va. Ok, j'essaye de me débrouiller ici, de faire mon mieux, mais je commence à lire vos messages ici, dans mon portable. D'accord? On va voir. Et les amis du Facebook, je n'ai pas une manière de lire votre message. Donc, si vous m'écoutez sur Facebook, viens sur YouTube et j'essaye de lire vos messages. Je viens de laisser les liens YouTube dans le Facebook. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Weird. On y va. Bonjour tout le monde. Donc, ça c'est le carré d'aujourd'hui. Ça c'est le carré qu'on va faire aujourd'hui ici. C'est notre carré, notre premier carré en jacquard. J'arrive. Petite minute. Je crois que j'ai réussi à régler les soucis. Allô? Oui, ça fonctionne maintenant! Yeah! C'est bon. Maintenant, je lis tout. Alors, maintenant, ça va fonctionner. Du début maintenant. Bonjour tout le monde, ça va bien? Petit souci technologique, mais nous sommes de retour. Et maintenant, je vois tous les messages Facebook et YouTube sur mon grand écran et que et ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est le carré qu'on va faire aujourd'hui, c'est le jacquard, ouais, c'est le premier carré en jacquard, on va faire encore un autre. Et j'ai un secret aussi à raconter aujourd'hui, je vais vous montrer les carrés, ok? Le secret du carré en jacquard, le secret du jacquard, c'est que il s'agit du point jersey. Êtes-vous trop déçu? Moi, j'étais un peu déçu quand j'ai découvert. Quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que le carré en jacquard, c'est un carré au point jersey. Oui, un côté, elle est tout à l'endroit, comme vous pouvez regarder. Aucune diminution, aucune augmentation, tout en droit. En droit, en droit, en droit, en droit. Et l'autre côté, c'est tout à l'envers, mais on ne voit pas parce qu'il y a des fils qui passent d'un côté à l'autre.
Voilà! Maintenant, vous savez faire le carré en jacquard. C'est tout à l'endroit. Donc, ça veut dire que de mon côté droit, je tricote à l'endroit. Et de mon côté envers, je tricote à l'envers. C'est fini. On peut finir l'émission d'aujourd'hui. On peut partir. Donc, voici la charte d'aujourd'hui. C'est bien celui-ci. On va monter 40 mailles. D'accord? On va monter 40 mailles. On va faire notre bordure qui nous sommes habitués, 3 rangs bas, 3 rangs haut, 3 mailles de côté, 3 mailles de l'autre côté. Et ici, au milieu, on a 34, bien sûr, parce que c'est des 40, 3 d'un côté, 3 de l'autre côté, 6, faire les bordures, n'est-ce pas? Et sur mon carré ici, on va travailler un jersey. Est-ce qu'avez-vous quelques questions sur ça? Pas encore? Ok. L'unique chose qui va changer, c'est que pour faire les jacquards, on va changer de couleur dans les mêmes rangs. Ok? Dans les mêmes rangs, on change de couleur. Donc, ici, comme vous voyez, mon aiguille, ici, comme vous voyez, vous allez tricoter avec la couleur contrastante et ici avec la couleur principale. Donc, dans mon exemple, ici, ma couleur principale, c'est ce beige. Et ma couleur contrastante, c'est vraiment un orange très, 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 très contrastant, d'accord? Donc, on va changer des couleurs dans les mêmes rangs. Je vais tricoter ici avec vous les premiers rangs et après, je vais parler de quelques particularités, d'accord? Donc, je vais commencer ici. Je vais commencer en faisant mes 3 mailles de bordure, 1, 2, 3 mailles de bordure, ensuite je vais ajouter ma nouvelle couleur ici, donc je vais rentrer mon aiguille, je prends mon fil orange, je place sur mon aiguille et je l'utilise, donc j'ai mon fil orange ici, ensuite j'ai 3 mailles de la couleur principale, donc 1, 2, 3, des couleurs principales qui est ici. Et après, j'ai quoi? J'ai 2 mailles de la couleur contrastante. Donc, je rentre mon aiguille. Au lieu d'utiliser ces fils ici, je vais utiliser mon autre fil. J'ai enroulé les deux ici sur mon doigt. Je prends un fil. Je prends l'autre fil. Après, j'ai un blanc. Je suis sur la maille 7. La maille 7, c'est blanc. C'est la couleur principale. Ensuite, je 2 mailles de la couleur contrastante. Une maille contrastante, 2 mailles contrastantes. Après, j'aurai 3 mailles de la couleur principale, and so on, and so forth. 2, 3. Clara, c'est trop facile. C'est quoi le piège? Parce qu'il faut avoir un piège. Hein? Ça peut être pas si facile. En effet, il y a un piège. Ok? Il y a un piège qui c'est. Vous vous rappelez les premiers cours, de mailles glissées. J'ai parlé un peu sur float. Qui se rappelle? Si quelqu'un se rappelle quand j'ai parlé des floats ici, qu'est-ce que c'est des floats? Float en anglais, en français, c'est quelque chose qui flotte. D'accord? Donc, qu'est-ce qui flotte au fait? Ce qui flotte, c'est les fils que je passe en arrière. Et c'est quoi les fils que je passe en arrière? Je vous explique. Ici, vous avez vu ici, j'ai tricoté 1, 2, 3 mailles d'une certaine couleur ici, de ma couleur principale qui est ici. Ensuite, j'ai tricoté avec ma couleur contrastante. Et après, j'ai fait 3 mailles avec ma couleur principale. Qu'est-ce qui se passe? Mon fil contrastant qui est ici, il va être utilisé avant. Donc, pour venir d'ici à là, mon fil fait cette saute ici. Donc, ces fils qui est ici, qui saute d'une maille à l'autre, ces fils-là, c'est lui qui s'appelle on appelle ça des floats. C'est les fils qui flottent en arrière. D'accord? Et pourquoi il est important? Parce que il faut qu'il soit toujours lâche. Pourquoi? Je vais donner un exemple extrême de quoi n'est
pas fait du tout, d'accord? J'avais fait exprès. Si je fais ça, regarde, j'ai tiré vraiment beaucoup mon fil, et mon float, il est très petit, mes trois mailles sont collées une à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Mon tricot, ça sera pas capable de faire ça, de s'élargir. Donc, quand après, si je fais un bonnet, par exemple, ma tête va pas rentrer, parce que pour que ça soit élastique, hein, parce que je rentre ma tête, et les bonnets reviennent, ouais, il faut que ça ouvre et que ça revienne. Donc, si je fais les flottes trop serrées, ce qui va se passer, c'est exactement ça. Si mon float est trop petit, il va coincer les mailles et je perds mon élasticité. Et mon tricot, ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est les grands secrets d'un bon jacquard. Toujours laisser un float. Et c'est quoi un bon float? Un bon float, c'est un float que je peux élargir, comme vous voyez ici. Je peux même élargir plus. Vous voyez que ça revient. Ouais. Je peux élargir et mes mailles ont beaucoup de place pour être. D'accord? Donc, même s'il reste un peu loose comme ça, il n'a pas de problème. Ok? C'est mieux que ça reste un peu loose qui colle comme j'ai fait tantôt. Donc, c'est ça qu'on va faire attention tout le temps. Il y a, dans certains cas, des gens qui ont vraiment de la misère à maîtriser les jacquards, à maîtriser les floats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour les personnes comme ça, Céline, par exemple, elle a fait ça. Quand elle est en train de tricoter un chandail, un jacquard, la partie en jacquard, elle fait avec une aiguille plus grande. Et la partie en jersey, elle fait avec une aiguille plus petite pour maintenir les mêmes gauges, maintenir la même tension du début jusqu'à la fin. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je fais tous avec les mêmes tailles d'aiguille. Ils fonctionnent. Mais constamment, je suis en train de régler, de regarder mes floats pour que ça me donne de l'élasticité. OK? Donc, je vais finir ici ces rangs. Je continue à tricoter avec vous. Donc, je viens de finir cette petite boule ici. Je viens de faire les trois mailles ici. Maintenant, je règle, je regarde si mon float, il est large suffisamment. Je peux quand même mettre mon doigt ici en arrière. Des fois, je fais ça, je mets mon doigt ici. Pourquoi? Parce que les moments que je tricote la prochaine maille, j'ai déjà un bon float parce que j'ai laissé mon doigt ici pour donner des loose. D'accord? C'est une autre astuce. Laisser les doigts comme ça. Oui. Et je vais continuer. Oups, je vais prendre mon couleur principale. Je vais prendre mon autre couleur. 1, 2, et je vais finir avec ma couleur principale. Notre chose, beaucoup de choses aujourd'hui, vous êtes trop silencieuses. Est-ce que les feux pas trop longs? Oui, maintenant, ok. Il y a, maintenant, garde ta question, je te réponds bientôt, d'accord? Garde ta petite question là, j'arrive à te parler de, je vais parler un peu de l'histoire du jacquard et je raconte un peu la différence culturelle qui va toucher à cette question que tu poses. Donc, ici, j'ai fini mon rang. Ouais, je peux essayer ici si mes floats sont bien. Oui, ça semble que oui, qu'il a beaucoup de élasticité, que je ne vois qu'il n'y a rien comprimé comme ça, coincé comme ça, c'est tout correct, ok? Là, on va tricoter sur les côtés envers. Petite chose, rarement dans votre vie, vous allez faire les jacquards à l'envers, ok? Pour une simple raison. C'est beaucoup plus simple tricoter à l'endroit. Êtes-vous d'accord? Sauf si vous tricotez à la portugaise. À la portugaise traditionnelle, parce que ma méthode, c'est aussi mieux tricoter à l'endroit. C'est plus facile, plus fluide tricoter à l'endroit. Donc, les gens qui aiment les jacquards, les patrons qui sont en jacquard, je dirais que c'est 99% qui sont tricotés en rond. Clara, et pourquoi ici on ne va pas tricoter en rond? Parce qu'on fait des carrés. Ouais, on ne fait pas de touque, on ne fait pas de chandail. Ouais, on tricote à plat. Donc, on va tricoter à l'envers. C'est possible, mais vous allez voir que c'est un petit peu
pour moi, je peux dire laborieux, un petit peu plus laborieux, d'accord? De tricoter du côté envers. Mais pour ces cours-là, c'est bon, on va garder cette info comme ça. Quand je commence pourtant mon côté à l'envers ici, je vais faire ma bordure. Moi, je ne suis pas en train de tricoter les mêmes quantités de mailles que vous, d'accord? Donc, les miens, il y a une différence, mais je vous montre quelque chose ici. Donc, je vais tricoter mon 12e rang ici. J'ai seulement, j'ai 18 mailles dans mon carré. Donc, je suis ici. Je viens de tricoter la 18e parce que je vais regarder en retournant. Et là, maintenant, j'ai 5 mailles. 5 mailles de la couleur contrastante. 5 mailles de la couleur contrastante pour tricoter. Pourtant, pour que je n'aille pas un trou ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais twister mon fil. Ça veut dire quoi, twister mon fil? Ça. Mes deux fils, ils sont parallèles. Je vais mettre ma couleur principale ici parce que je vais tricoter maintenant avec ma couleur contrastante. Je prends ma couleur contrastante. Je rapproche ici et je tricote. Comment je sais que mon fil, il est twisté? Parce que si vous regardez là, mon fil blanc, il est coincé ici. Il est pris par mon fil orange. Et pourquoi ça c'est important? Parce que si mon fil il sort d'ici, il passe vers là. Si cette bout de fil ne soit pas ici, ça me donne un petit trou. Et je ne veux pas ça. Ça va décoller mon carré, il va être désassemblé de la bordure. Donc pour maintenir la bordure ensemble, il faut que mon float, que je catch mon float et que j'amène avec moi dans ma voyage. Là, j'ai catché mon float ici, je tricote 5 mailles. Pourquoi 5 mailles? Parce que je suis sur les rangs 2 de mon carré. Donc je tricote 5 mailles, je tricote déjà 1, donc 2, 3, 4. Donc maintenant, mon fil il est pris ici dans la première, d'accord? J'ai fait 3 autres ici, je vais faire un autre catch, je vais faire un autre twist des fils pour que je continue à amener mon fil avec moi. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Mon fil de couleur principale, il va passer sous mon fil de couleur contrastante, il est ici. Quand je tricote ma prochaine maille, mon fil, il est pris ici, donc mon float, il est coincé ici, il est coincé là-bas. Pour que je n'aille pas un float trop long. Qu'est-ce que c'est un float trop long, Clara? Imaginez-vous que si vous avez utilisé, vous avez fait une maille orange ici, et votre prochaine maille orange soit là. Okay? On ne peut pas laisser un float comme ça, sans être caché. Maintenant, je commence à répondre à ta question. Je ne peux pas laisser un fil, un float comme ça, loose comme ça. Pourquoi? Même chose, même principe pour la broderie, même principe pour la couture. Un fil long comme ça, c'est comme si ça va causer un accident. Probablement, quand je vais rentrer dans mon chandail un jour, ou dans mon bonnet un jour, mon doigt, il va être pris ici, je vais tirer et je vais tout défaire dans mon chandail, je vais tout défaire dans mon bonnet, je vais tout défaire dans mes mitaines. Donc, les floats, il peut être légèrement long, pas si long comme ça, j'arrive bientôt, pas si long comme ça, mais il faut toujours qu'il soit catché, comme ici et comme là. D'accord? Règle générale, à chaque 5 mailles, j'ai catch mon fil. Mais Clara, pourquoi ici tu as fait 2 fois? Pour vous montrer. Pour vous montrer. Et ici, j'ai catché mon fil parce que je ne veux pas des trous. D'accord? Et ici, j'ai catché mon fil parce que je voulais vous montrer quelque chose. D'accord? Mais à partir de maintenant, par exemple, donc j'ai fait les 5, je vais tricoter avec ma couleur contrastante. 3 mailles. Donc, 1, 2, 3,
Je n'ai pas besoin de catcher mon fil orange parce que c'est seulement 3 mailles. Je catch à partir du moment que j'aurai 5. D'accord? Quand j'ai 5 mailles, c'est là que je catch mon fil. Donc, celle-là, 1, 2, 3, c'est correct. Je vais tricoter 5 mailles avec mon fil orange. Donc, je vais faire 1 fois. Je vais faire 2 fois. Je vais faire 3 fois. Je vais faire 4 fois. La cinquième fois, que c'est celui-ci, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enrouler mes fils. Donc, mon fil de couleur contrastante, de couleur principale. Ouh, je l'ai laissé en avant. Attends, petit accident, pas voulu. Je vais mettre mon fil en arrière. Ok, mon fil est là ici. J'ai lui laissé en arrière, avant. Donc, je vais les amener ici et je vais tricoter ma cinquième maille. Et quand je tricote ma cinquième maille ici, mon fil il devient pris par mon petit fil en arrière. Voilà, je suis prête à tricoter mes 3 prochaines mailles, and so on and so forth. Presque fini mon rang. Ici, c'est la dernière fois que je vais utiliser mon fil orange. Donc, comme c'est la dernière fois que je vais utiliser mon fil orange, et ensuite je vais finir avec mon fil de couleur principale, je vais catcher maintenant mon fil orange. Donc là, je fais l'inverse. Okay? C'est mon fil orange qui va enrouler, qui va être pris dans mon fil. Oups! Désolée, petite minute. Mon fil orange, il va être enroulé autour de mon fil principal. Pourquoi? Si je ne fais pas ça, mon carré, mes bordures, elles vont être détachées. Donc ici, vous pouvez voir, mon fil est enroulé autour de mon fil de couleur principale et je peux finir mon carré. Question sur ça. Question sur les 2 premiers rangs. Je fais une boule ici. Je commence à faire une boule ici. Je commence à faire une boule là-bas. Ok, j'aimerais savoir vos questions sur les premiers rangs. Aucune question? Je ne crois pas. Seulement Manon a des questions. Non. Je suis sûre qu'il y a plus de personnes qui aimeraient voir quelque chose. Donc, pendant que j'attends les questions, je vais répéter. Les carrés, les jacquards, il est fait sur une base jersey. Okay? Ça veut dire que je vais tricoter les côtés endroit à l'endroit tout le temps et je vais tricoter mon côté envers à l'envers tout le temps. Première règle. Deuxième règle. À chaque fois que je change de couleur, quand c'est la première couleur après la bordure, je croise mes fils. Ok, chaque fois, première fois que je change de couleur après ma bordure, j'enroule mon fil parce que sinon ma bordure elle va se détacher de chaque côté. Ok, Manon, ça a l'air compliqué. Ok, qu'est-ce qui s'est compliqué? Aurélie, il faut que je regarde tes explications pour les faire correctement. Oui, je comprends. C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais que vous gardiez, c'est ça. Première chose, c'est un base jersey. Donc, un droit d'un côté, un droit de l'autre côté. Est-ce que ça, c'est correct? Oui? Ça va mélanger le peloton, effectivement, oui. Mais on va pas à pas maintenant, d'accord? Maintenant que j'ai fait la présentation, oui, donc pour Aurélie, c'est correct. La base, c'est la base en jersey. Donc, pour Aurélie, c'est bien. Manon, c'est correct pour toi aussi? Manon, Anne, Kathleen. Oui. Kat, super Kat, bonjour Toulouse, bonjour Diane, excellent. Donc, base jersey. Deuxième règle, super.
Deuxième règle, les floats, ils restent toujours sur les côtés envers de mon travail. Oui, c'est bon pour les floats qui restent de côté envers de mon travail toujours? Exactement, on peut pas faire de... Parce que ça va pas être beau, Kat. Ça va pas être beau et ça va mélanger le dessin. Ça va changer la texture. Tu peux essayer pour voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Ok, on arrive maintenant. On va y arriver. On va y arriver. Je fais doucement pour que ça continue. Pour les floats sur l'envers, c'est bon. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Ok, float toujours sur l'envers. Ok. Qu'est-ce que c'est le float? Ce sont les fils qui passent, les fils plus longs qui passent derrière. Donc ici, par exemple, j'ai 5 mailles, j'ai un long float. Ici, j'ai 3 mailles, j'ai un petit float. Ok? Super! Pour ça aussi, c'est correct. Qu'est-ce que c'est float? Tout le monde sait qu'est-ce que c'est float maintenant. C'est des fils qui flottent en arrière. Ok? Float. Prochain! Prochain. En regardant ici à l'endroit, à chaque fois que j'ai fait 5 mailles à peu près, à chaque fois que j'ai fait 5 mailles, je teste tout, ou même 3 mailles. Je fais 3 mailles, je teste pour voir si je suis capable de l'élargir. Si mon tricot, il y a encore de l'élasticité. S'il n'y a pas de l'élasticité, regarde que je suis vraiment méchante, ok? Je tire vraiment beaucoup pour voir si elle s'étire. Si il n'y a pas d'élasticité, c'est pas un bon float. Le float est trop court. Il faut laisser le float plus long. Ok? C'est bon? Pas besoin non plus de laisser un float qui c'est comme ça. Ok? Ça, c'est pas un bon float. Parce que l'histoire du float, c'est que je peux rentrer mon doigt ici, tirer et tout gaspiller, tout gâcher de mon ouvrage. C'est correct? Donc, un bon float, c'est ni trop long, ni trop serré. Mais c'est assez pour que mon tricot soit élastique. C'est bon? Tout le monde a compris? Les floats ni trop longs, ni trop courts? Kat a dit oui. Sylvie, Aurélie, Manon, oui. Super, super. Et maintenant, on va parler du fil qui est pris et pourquoi que le fil est pris. D'accord? Super! Excellent! Donc, on y va. Donc, j'aurai... crayon. Donc, j'ai une maille ici. Ok? Et elle va se répéter ici. Et maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je vais mettre 6. Ce n'est pas notre cas ici. D'accord? Je vais mettre 6 ici. Maille d'une autre couleur. Ça veut dire que cette flotte ici, il va être en arrière, disons que je regarde en arrière, il va être long, il va être d'ici vers là. Ok? Toujours, toujours, Kat, comme tout dans la vie, hein? Même pour notre premier jersey, ici dans les cours, là, notre cours numéro 2, même pour notre premier cours du point mousse, il fallait s'entraîner. Je suis sûre que votre premier point mousse n'était pas beau. Après, oui, mais au début, les carrés, on regarde, on aime moins. Tout dans la vie, c'est la pratique, d'accord? Donc, je continue ici. Donc, imaginez-vous, ça c'est mon exemple. J'ai fait une maille ici, et la maille se répète là, et j'ai 6 mailles entre une et l'autre. 6 mailles, c'est beaucoup. Ok? C'est vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas laisser ces longs fils traîner derrière mon ouvrage? Je les catch. Je vais les catcher plus ou moins au milieu. Donc, j'ai 3 mailles ici. Je vais les catcher ici. Donc, je vais faire mon fil passer à l'intérieur et après continuer son flux. Pourquoi? Pour ne pas laisser un long fil tendu comme ça. Dans ce carré ici, vous êtes chanceuse. Parce qu'on a seulement 5 mailles. Les floats, on les catch à partir de 6. À plus que 6 mailles. Et Clara, pourquoi tu as montré comment faire? Parce que les prochains carrés, il ne va pas être si facile. Les prochains carrés qu'on va faire, on va les catcher et je commence. Vous pouvez déjà se pratiquer un peu maintenant. Plus de 5 mailles, c'est là que je vais catcher.
Calma, Kat, j'arrive. J'arrive. Nous sommes en train encore de parler des floats. Après, je vais montrer des manières différentes de tricoter. OK? Donc, ici, l'unique endroit que j'ai vraiment besoin de twister mon fil, c'est ici et là. Ou c'est ici ou c'est là. Après ma bordure, avant ma bordure. Pourquoi? Parce que sinon, comme je dis, j'aurai ma bordure détachée de mon carré, j'aurai des trous ici. Donc, il commence à croiser les fils, Clara. C'est vraiment comme j'ai dit, on passe un fil sur l'autre. Soit les fils blancs sur les fils contrastants, soit les fils contrastants sur les fils blancs. Seulement en twistant comme ça, ok, on les laisse plis. Je vais faire une démo de ce que je viens d'expliquer ici. Comment on va ajouter ça à ça. Donc, je suis sous mon rang 3. Je suis sous mon rang 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai 8 mailles de la même couleur, n'est-ce pas? J'aurai 1, 2, 3. Rang 3, s'il te plaît, accompagne-moi. J'ai 1, j'ai 3 ici, d'accord? Et ensuite, j'aurai 5 mailles. 5 mailles blanches. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 8 total. 8, c'est beaucoup. Et en plus, c'est mes mailles des bordures. Donc, pour relier ma bordure au restant de mon carré, il faut que je catch mon fil orange. Donc, comment je vais faire pour catcher mon fil orange? Mon fil orange est ici. Mon fil orange est ici. Je vais montrer de cette façon, qui c'est la façon que vous allez voir quand vous êtes en train de tricoter. Donc, ça, c'est mon fil. Je mets l'autre ici. Ça, c'est mon fil contrastant. Ça, c'est mon fil orange. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon orange sur mon fil blanc. Et je vais tricoter mes 5 mailles blanches qui restent. Au fait, non. Il faut que je passe une fois, deux fois. Oui, oui, oui. C'est bon. Donc, j'ai passé mon fil orange sur mon fil blanc et je tricote les 5 mailles qui restent. Avez-vous vu comment je fais? Non, hein? Je vais vous montrer de nouveau. Alors, je suis en train de tricoter avec mon fil blanc, qui c'est celui-ci. Je vais passer mon orange sur mon fil blanc. Il s'y croise ici. D'accord? Et après, je tricote mes 5 mailles blanches. 1, 2, 3, 4, 5. Comment je sais que mon fil, il est catché? Il est coincé ici, en arrière. OK? Il n'est plus loose comme il était avant. Il est pris bien ici. Simplement parce que j'ai passé un fil sous l'autre. Anne, est-ce qu'il y a des petites bouts de motifs incomplets parce qu'ils se séparaient de la bordure? Attends, est-ce qu'il y a des petites bouts de motifs incomplets parce que ça se séparait de la bordure? Sinon, il faut toujours... Ok, je répète, Kat. Il faut toujours croiser les fils de l'autre couleur avec la bordure. Donc, je vais répéter ça. Je vais défaire ce que je viens de faire. Êtes-vous avec vos tricots? Non, hein? C'est bien de voir en faisant tout le monde ensemble la même chose. OK. Donc, ici, c'est mon fil. Je tricote. Voilà. Un, deux, trois. Oups, non, 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 je fais tomber une maille. Voilà. Ma bordure, elle est tricotée. OK. Avant que je parte sous mon carré, j'aurai 5 mailles blanches à faire, comme vous regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5. Avant que je fasse les 5 mailles, qu'est-ce que je vais faire? Je vais croiser mon fil. Donc ici, je suis en train de séparer les bouts du fil. Celle-là, c'est les bouts du fil où j'ai commencé, j'oublie.
Ça, c'est les deux fils qui sortent de ma pelote. Donc, quel est le fil que je vais cacher? C'est les oranges. Donc, les oranges, ici, il va passer sur mon fil. Je vais tourner comme ça. Peut-être ça va être plus visible. Mais mal, tout ce qui tombe, ça, c'était pas un bon choix d'aiguille. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est mon fil. OK? Ça, c'est le fil que je vais cacher. Mon orange, je vais cacher. Donc, lui, il va passer sur mon fil blanc. Comme ça. Seulement ça, Clara? Oui, seulement ça, je vous jure. Donc, ici, je peux continuer à tricoter parce que mon fil, il est déjà pris. Oui? Nickel? Nickel, Kat? Oui? Aurélie, ça va? Manon, ça va? Anne? Même si c'était un motif complet, Anne, je ne sais pas si j'ai compris ta question, mais même si c'était un motif complet, à chaque fois que je termine ma bordure, okay, il faut que je catche les fils de l'autre couleur les plus proches possible, les plus vite possible. OK. Ça va tout le monde. Yeah! Super. Donc, je cache ici. Comment je sais qu'il est pris? Regarde bien ici. Comment je sais qu'il est pris? Parce que quand je continue à tricoter, regarde, mon fil il est ici. Donc, quand je continue à tricoter, il est pris par les fils blancs ici en arrière. OK? Donc, je tricote 1, 2, 3, 4, 5. Finalement, je suis arrivée ici, c'est la maille 6 de mon carré. C'est 3 mailles oranges. Donc, mon fil est là ici. Moi, je vais laisser mon doigt là, justement, pour donner à mon float un petit peu plus de fil. Donc, je suis en train de passer. Ça, c'est une astuce, d'accord? Ça, c'est pas dans les livres. Ça, c'est moi qui... Moi et quelques personnes qui font ça. Je passe mon fil sous mes 5 mailles blanches, justement pour avoir un float plus lâche. Donc, je passe mon fil ici. Je tricote les 3 prochaines mailles oranges. 1, 2, 3. J'aurai maintenant 3 mailles blanches. 1, 2, 3 mailles blanches. Oh, 5 mailles blanches, désolé. 4, 5 mailles blanches. OK. Même chose, je viens ici avec mon fil. Je vais tricoter en passant sur mon doigt parce que je veux que mon float soit lâche. Je rentre mon aiguille ici et je vais faire... Mon doigt reste ici. 1, 2, 3. Et je vais finir mon rang. 1, 2. OK, ça, c'est la dernière fois que j'utilisais mon fil de l'autre couleur, n'est-ce pas? Dans mon cas, parce que j'ai moins de mailles que vous. Oui, je vais parler de dextérité dans les deux mains. Oui, pas maintenant. Pas maintenant. Trop de choses, non, aujourd'hui? Float, catch, bordure, tout ça. Ou non, Aurélie, normalement, moi, je tricote avec les deux fils dans mes mains, comme ça. Regarde, comme j'ai fait le jacquard, je tricote avec les deux fils, comme ça. Avantage des amis qui ont appris à faire la méthode continentale. Mais demain, prochain cours, je parle de ça. Donc, voilà, ça, c'est la dernière fois que j'utilisais mon fil orange. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le cacher encore. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour cacher? Il va passer sur mon fil blanc. OK. Donc, il passe sur mon fil blanc ici. Et là, je vais finir mon rang avec mes fils blancs jusqu'à la fin. Donc, à chaque fois que j'utilise ma couleur contrastante pour la dernière fois, j'ai... Catch mon fil aussi pour que la bordure, pour qu'il n'aille pas des trous. C'est ça mon objectif. Okay? Est-ce que c'est plus clair maintenant?
Oui, non, peut-être. C'est moins anxiogénique, comme dit ma thérapeute. Plus clair, moins clair, plus ou moins. Oui. Très clair. Yay! J'adore, 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 j'adore ça. J'adore quand c'est très clair. OK, quatrième rang. On va faire le quatrième rang. Donc, quatrième rang, je vais lire ma charte dans l'autre sens. Je vous rappelle toujours que j'ai seulement 18 mailles sur mon carré. OK? J'ai seulement 18 mailles sur mon carré. OK. Comme j'ai expliqué au début du cours, les jacquards, oui, c'est sur une base jersey, mais on tricote les jacquards 99% des fois en rond. Même quand on fait des cardigans. On fait les cardigans comme si c'était un pullover. Ensuite, on coupe les cardigans. On fait un stick. On coupe le pullover. On ouvre et on fait les finitions du cardigan. Même quand on fait un cardigan, on tricote en rond. Ici, dans les cours, on va faire les jacquards à l'envers. Mais ça va être très rare que vous allez faire ça dans votre vie de tricoteuse. D'accord? Je ne me rappelle aucun patron où vous allez tricoter sur l'envers. Pourtant, il fallait faire un carré en jacquard. Pourtant, il fallait apprendre. N'est-ce pas? Donc, on y va. Rang 4, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. On y va. Donc, je vais faire mes 3 mailles de bordure. 2, 3. Je suis arrivée ici, ma première maille, c'est une maille orangée. Mon fil, il est ici, un peu loin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon blanc sur mon fil. Pourquoi? Parce que je vais cacher mon fil blanc pour pouvoir utiliser ma maille à l'envers. Donc ici, je vais utiliser mon fil orange pour tricoter ma première maille. Donc, je passe mon fil blanc par-dessus. Je prends mon fil orangé et je tricote ma maille en orange. Comment je sais que mon fil blanc, il est plié? Parce que je vois ici, OK, qu'il est coincé, il passe en bas de mon fil orange. Donc, yay, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5 mailles blanches à l'envers. Donc, mon fil est déjà ici. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 3 mailles oranges. Je laisse mon doigt ici pour donner mon float, laisser mon float plus loose. 1, 2, 3. Mon float là ici. Je teste. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est assez élastique. J'ai fait 5 mailles blanches. Aurélie, est-ce que j'ai répondu à ta question sur le rang 4? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 3 mailles oranges. Donc, je prends d'ici. Je vais passer sur mon doigt pour que mon float soit plus lâche. 1, 2, 3. Ça, c'est la dernière fois que j'utilisais mon orange. Donc, il faut que mon fil ici catch mon orange. Donc, dans ce cas-là, le twist, il va être un petit peu plus compliqué parce que mon orange, il va passer sur le blanc 2 fois. Il passe une fois ici. Il passe un autre. Oui. Il passe une autre fois là. Où est-ce que c'est mieux si je fasse ça? Oui. Il va passer en bas et après, il passe en haut. Il enroule 2 fois. Je prends mon blanc et je suis sûre que mon orange, il est bien caché parce que je le vois ici, pris autour de mon fil. Je fais une maille à l'envers et les 3 dernières mailles à l'endroit. Clara, qu'est-ce que c'est le correct? Enrouler mon fil de droite à gauche et de gauche à droite. Qu'est-ce que c'est correct? Enrouler mon fil sans horaire ou sans ceinture? Les deux. C'est que c'est plus facile pour vous, d'accord? C'est qui vous rassemble plus logique le moment de le faire. Il sait que face, les fils soient pris. Si vous avez enroulé comme ça ou si vous avez enroulé comme ça, c'est de mon côté envers,
Je vais voir. Personne ne va rien remarquer. Oui, tu m'as dosé le doigt. D'accord. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde maintenant? J'aimerais écouter maintenant vos questions. Avant que j'explique d'autres choses. Pas de questions. Vous êtes trop bonne. Ah, oui, si vous pouvez, c'est bon. Super, super, super. Pas de questions. Vous faites mon travail super facile ici. Trop facile. Pas de questions. Ok, c'est bon. Donc, j'aimerais, si vous n'avez pas de questions, j'aimerais vous expliquer d'autres choses, un peu de l'histoire du jacquard. Faut pratiquer, d'accord. Je vais prendre un livre ici de Mitaine, de Céline. Pour l'instant, ça c'est un livre de Mitaine, seulement de Mitaine, de cette région, Latvia. Je ne connais pas ce pays, je sais que c'est en Europe, mais je ne sais pas grand chose. C'est un pays, d'accord. C'est pas plusieurs pays ou quoi que ce soit. Puis, la personne qui a fait Maruta Grassman, la personne qui a fait ce livre-là, elle a divisé son livre dans les régions de son pays. Donc la région ouest de cette région ici, Vidzem, ça c'est un patron typique de cette région. Un autre patron typique, ça ressemble beaucoup au drapeau brésilien, beaucoup. Ok, là on va voyager un petit peu plus loin. Ça c'est tous la même région ici. Ok, on va passer un petit peu plus loin. Encore la même région. Encore, encore. Maintenant on a dans cette région ici la Latgale ou Latgale, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça change les motifs, les couleurs sont plus coloriées, les couleurs sont plus pâles. Ouais. Un autre type de patron. On va plus loin. Il a cette région ici s'appelle Oguzem. Elle montre ici dans les maps où elle est. Elle est à peu près ici dans cette région. Ah non, c'est, ah bon, c'est, ça appartient à cette région ici. Donc c'est tous ces états, ces provinces ici. Ça change complètement aussi. Les patrons. Ici, on est à Zengal. C'est une autre partie du pays. Et on a des autres patrons. Maintenant, il y a des franges. Ça ressemble beaucoup aux couleurs péruviennes aussi. Voilà, voilà. Kuzerne, c'est une autre région du pays. Voilà. Je passe plus vite. Ici, après, je peux vous donner la référence du livre. Ok, ça c'est beau. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi je vous montre ça? Ça, c'est quelques résumés des patrons. Donc, pourquoi je vous montre ça? Pour vous expliquer une chose qui pour moi, c'était pas évident. D'accord? Pour moi, c'était pas évident. Lettonie, ben si, Latvia, Lettonie. Ok. Donc, comme chaque pays, on a des cultures différentes. Hein? Donc, c'est commun en Angleterre tricoter avec la main droite. C'est commun le reste de l'Europe tricoter avec les fils de la main gauche. C'est commun à Portugal tricoter avec les fils autour du cou. C'est commun au Brésil, notre nourriture de tous les jours, nourriture maison, c'est riz et haricots. Avec de la protéine. Mais riz et haricots, c'est la base. Ici, vous avez les tourtières. Au Brésil, on n'a pas de tourtières. Donc, chaque pays, ouais, il y a des cultures différentes. Il y a des traditions culturelles différentes. Oui, Clara, c'est logique. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Qu'avec les jacquards, c'est la même chose. Ici, j'ai montré un exemple d'un pays seulement. Ouais. Mais il y a les traditions vont être différente dans les plusieurs pays, bien sûr. Par exemple, en Norvège, normalement, les patrons ont seulement deux couleurs.
pas plus que deux couleurs. Fair Isle, en Écosse, les patrons sont vraiment, les répétitions sont plus petites. Ils utilisent beaucoup de couleurs, sont tous coloriés. Pourtant, pas plus de deux couleurs par an. Ils n'utilisent pas trois couleurs par an. Si on va chez Lettonie, les patrons lettonis, ils sont immenses. Les floats sont de 13 mailles à peu près. Ils peuvent utiliser 5-4 couleurs dans les mêmes rangs. Ouais. Donc, chaque pays a sa tradition différente. Moi, je ne suis pas expert en jaca. Okay, je sais le faire, bien sûr. Mais c'est pas mon préféré. Et c'est pas mon spécialité, c'est pas une chose qui j'ai investigue, ouais, qui j'ai tout dit. Pourtant, je ne sais pas exactement lequel. Mais par exemple, dentelle, je suis capable d'identifier c'est quelle la dentelle russe, c'est quelle la dentelle de l'Estonie, c'est quelle la dentelle Shetland. Pourquoi? Maintenant, on a tous gâté, on a tout de l'Internet, on a de YouTube, on a de Instagram, on a des sites, on a Ravelry, on a plein de choses. Donc, on est capable de voir un mélange de ces patrons partout dans le monde. Ouais. C'est comme nous, ici en Occident, qui on mange de la nourriture japonaise. Et là, quand on va au Japon, c'est un peu différent, c'est pas exactement ce qu'on mange ici. Ouais. Au Brésil, par exemple, on n'a pas d'avocat dans notre sushi, on a des mangues. Mais pas d'avocat. Avocat là-bas, on mange avec du sucre. Sucre, il l'est, comme un smoothie. Il y a déjà, la première fois que j'ai écouté que les gens mangeaient des avocats avec du pain, j'ai fait comme... ça va pas. Mais voilà, donc c'est tous des coutures. C'est toutes des coutures différentes. Et bien sûr, pourquoi le tricot sera différent? Ouais. Donc maintenant, ce qu'on voit dans les derniers 20 ans avec l'Internet, c'est un mélange de traductions, un mélange de coutures. On voit les patrons des dentelles russes qui se mélangent avec un patron des dentelles shetlandais, par exemple. Et c'est ça, c'est l'évolution des choses. J'imagine que les gens plus puristes ne vont pas aimer cette mélange. Mais si on pense bien qu'il y avait 30 ans, on n'avait pas d'Internet chez nous, ouais, on était limité aux patrons, aux petits livres des recettes, même des recettes de cuisine, des recettes de points de tricot, des recettes de points de crochet, des recettes de cuisine, des recettes de tout, qui mamie avait laissé à maman et maman nous avait laissé un petit cahier et qui nous... On cherchait la personne qui allait hériter ces cahiers magiques, ces cahiers de traduction. Maintenant, on n'a plus ça parce qu'on a l'Internet. Ouais, on a des livres qui sont publiés, mais surtout l'Internet. L'Internet, ça fait les choses soient beaucoup plus vite, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus facile à trouver et à se mélanger. Donc, avant, tout le monde était limité au patron qu'il avait dans sa ville, dans sa région, dans son espace. Et maintenant, non, ça a explosé. Je ne sais pas si vous comprenez de ce que je parle, c'est que maintenant, ce qu'on voit, c'est une grande folie mondiale, ouais, la globalisation de toutes nos traditions, des mélanges de toutes les traditions. On ne peut plus parler d'originalité. Ça n'existe plus d'originalité. Parce que c'est tous mélangés. Notre originalité, c'est de trouver une autre manière de mélanger les points qu'on connaît, que ça devient une autre chose. Ça devient une nouvelle tradition qui est apparue avec la facilité qu'on a de se communiquer. Même nous, maintenant ici, moi, je suis brésilienne qui habite à Montréal. J'ai Kat qui est de Toulouse, Kat, c'est ça que tu m'as dit? J'ai des gens qui sont à Montréal, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont aussi à la campagne. Donc, le fait qu'on a les moyens de communication, ça, c'est fascinant. C'est fascinant. On va, oui, on perd la pureté des choses, mais on ouvre la porte pour une immense possibilité, une gamme vaste, un monde entier de possibilités à
exploiter, à connaître. Ouais. Voilà. Donc, exactement, grâce à Net, on voit plus de tricots, on voit plus de gens qui tricotent. On n'est plus toute seule. Hein? On n'est plus seule à tricoter à la maison. On a des compagnies, même avec la COVID, on a vu qu'il y a des Skype, il y a Zoom, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Hangout, il y a plein de choses qui nous permettent d'être en contact avec le monde extérieur. Donc, tout ça, c'est pour dire que le jacquard aussi a une histoire derrière. Je viens de vous montrer un livre, il y a beaucoup d'autres. Il y avait un que j'aimerais vous montrer, mais je ne le trouve pas ici dans le truc de Céline. Non. La semaine prochaine, je vais lui demander, je vais vous montrer un peu de la dentelle shetlandaise, oui, qui c'est aussi Shetland, qui c'est en Écosse, Fair Isle, c'est en Écosse. Deux petites îles séparées l'une de l'autre. Deux choses différentes. Hein? Shetland, c'est surtout, sont connus surtout par la dentelle. Fair Isle, surtout pour les jacquards. Et Fair Isle a devenu un peu comme un synonyme de jacquard. Jacquard, c'est le mot français qu'on utilise aussi au Brésil. Au Brésil, on parle aussi jacquard. Mais Fair Isle, c'est un peu comme les gens connaissent. Et comme j'ai dit au début, quand on a commencé à travailler avec les couleurs, c'est ce genre de travail s'appelle en anglais « stranded work ». Qu'est-ce que c'est « stranded »?« Strand ». ».« Strand », c'est du fil. C'est travail des fils, mais c'est les fils. Les « stranded » font référence au « float » qu'on a ici. Oui, c'est travail « stranded » parce que je laisse mon fil comme ça et tiré en arrière. Donc, peu importe la tradition, norvégienne, Fair Island, lettonne, peu importe. Tout ça, c'est du stranded work. Tout ça, c'est des jacquards. D'accord? C'est bon? J'aimerais savoir vos questions. Pour que je puisse dormir tranquille ce soir. Est-ce que je vous fais peur? Je trouve cela magnifique de pouvoir prendre un cours avec des autres personnes qui nous sommes. Je suis d'accord avec toi, partout dans le même endroit. C'est magique, je suis d'accord avec toi. Le partage est beaucoup plus riche. Beaucoup plus riche. Oui, 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 Kat. Je suis tout à fait d'accord. C'est magique. C'est magique. Et bon, question? Regret? Souci? Cauchemar? Tristesse? Anxiété? Angoisse? Ça fait plaisir, Kat. Ça fait immense plaisir. Non, tout le monde est bien pour la fin de semaine? Tout le monde est bien. La prochaine semaine, je vais montrer des manières différentes de tricoter notre carré avec les deux mains. D'accord? Des techniques différentes. On va faire ça. Ni regret? D'accord. Ni peur? Pas peur. Ça fait immense plaisir de partager avec vous. C'est pas par hasard que ça, c'est mon métier. J'adore. J'adore. Tout va bien? Merci tout le monde. Oui. Beaucoup de travail à faire. N'oubliez pas, ça c'est qui est du tricot. D'accord? S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on enlève les aiguilles. Ok? S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on enlève les aiguilles et on recommence. Ça, c'est du plaisir. Ça, c'est un défi. Ok? Ça, c'est pas pour nous rendre triste, découragé. Ok? Au contraire, ça, c'est pour montrer à nous qu'on sait faire, qu'on est capable. Ok? Donc, on se donne ce défi cette semaine et j'ai hâte de voir vos progrès la semaine prochaine. C'est bon? Bisous, bisous. Bonne fin de semaine. Bon tricot. Joyeux tricot tout le monde. Et à vendredi. Ciao.